This is where it all began, in these woods generously permeated by light. Glassmaking in the Brell Valley industry started here at the beginning of the 15th century. The trees provide firewood. Fern ash allows to better melt sand. Production by a few craftsmen expands to become a major commerce, pacing activities in this valley to the present day. Initially flat drawn glass, then drinking glasses, finally crafted bottles for cosmetics and perfumes. At the end of the 19th century, production reaches an industrial scale with the Tréport-Paris railway line. Coal is more readily imported from England by rail. Semi-automated machines appeared in the 1920s. After the Second World War, fully automatic glassmaking IS machines were imported from the United States. They accelerate the modernization of glassmaking and help the perfume industry to develop in France. Today, 70% of global production of luxury bottles for perfume, spirits and pharmaceutical products are manufactured here. 70 companies employ some 7,500 skilled workers offering complementary skills. Today, these companies have federated to make La Glace Valley Association, a world cluster for luxury bottle manufacturing. To celebrate craftsmanship and the success of member businesses, the association decided to create an original bottle. This bottle, a drop of molten glass some minutes ago, is the result of a long history of craftsmanship. A project starts with a concept, a sketch, a design. Nous, notre objectif, c'était aussi de donner du sens à la Glace Valley. Donc on est parti du logo. Le logo était déjà une réflexion sur les métiers des membres de la Glace Valley, avec un logo en forme de paraison qui représentait la goutte de verre, avec le moule autour de cette paraison, avec la finition sur le flacon qui est le parachèvement. Donc on s'est dit, on reprend cette forme-là pour faire le flacon. Et on a un flacon qui est à la fois esthétique, à la fois parfum, et qui permet à chacun des membres de dire, voilà, moi j'ai participé à ce niveau-là, voilà ma technicité, voilà ma modernité, voilà, etc. The preform emerging from this bath of resin will serve to manufacture the chosen bottle. En fait, la particularité de notre métier, c'est qu'on est des artisans industriels et à la fois, il y a un savoir-faire, une valeur ajoutée humaine de maquettistes, d'opérateurs qui travaillent à la main et un mix technologique sur des technologies qui mettent en œuvre au travers de la stérolithographie ou via de l'usinage ou des coulées de pièces dans des moules. Tout un tas de process qui permettent d'élaborer et de produire cette maquette Glace Valley. Along the glassmaking production line, the foundry worker intervenes between the design stage and mold making. The Brell Valley cluster is fortunate to have a foundry specializing in mold making for glassware. Nous sommes une fonderie de fonte où nous fabriquons essentiellement du moule de verrerie et de la pièce mécanique, à peu près 50%. Dans notre métier, on est le seul français à fabriquer du moule de verrerie. Alors un flacon de parfum, en premier lieu, c'est un client qui nous demande une catégorie de bouteilles avec un nombre de moules bien spécifique, ainsi qu'une nuance de fonte. On a fait un brevet qui a été élaboré pour des verriers, pour augmenter les cadences, qu'ils aient moins de réparation dans les moules et pour sortir des bouteilles très propres, avec un verre de qualité pure. Attention to quality is core to the next phase. Manufacturing of preforming and finishing molds. The quality of the bottle depends on perfect execution. The mold making profession has evolved enormously recently. Conception of molds is now done in the presence of the client. Industrial CAD techniques are the norm, but computer-aided design has to materialize. Digitally commanded lathes and milling machines, then dimensional checks, contribute to this. The profession is continually modernizing and innovating. New skills are emerging. All the while, traditional glassmaking methods and inherent passion have been preserved. Le métier de mouliste, c'est de partir d'une matière brute et de construire et de façonner un moule et son outillage. On crée, on découvre tous les jours, on ne fait jamais la même chose. Il y a différents articles en verre, différents sujets, on a différentes situations. Je dirais que les boulistes sont un peu des artistes dans la chaîne de fabrication du milieu du verre.
the final stage of the mold before it leaves for the glassmaker, polishing. Another highly skilled operation, the result of many years of experience. Quand la pièce arrive devant moi, donc je regarde l'aspect de la pièce et après je considère par rapport à ça ce que je vais utiliser comme toile, comme grain pour ébaucher cette pièce. Plus la finition est poussée, plus on utilisera de toile. Everything is in place and ready to contribute to making our special La Glace Vallée bottle. Glass has always been manufactured with the same basic components, to which are added oxides, melting agents and purifiers. The dosage remains the secret behind every master glassmaker. Pour faire du verre, il nous faut du sable, de la soude et de la chaux et de différents autres produits. Et nous, notre métier, on est compositeur. Notre rôle, c'est de réceptionner les camions et de fabriquer la pâte. Et on essaie toujours d'avoir la meilleure qualité possible, mais c'est toujours la même base, quoi. On fabrique quand même 170 tonnes de compos par jour. Today, preparation of raw materials is automated and totally mastered to ensure high quality glass. Fusion is done at around 1500 degrees Celsius in a refractory brick furnace, capable of withstanding temperatures of up to 2000 Celsius. Molten glass is then cooled to about 1300 Celsius, obtaining a viscosity needed for shaping. It is dispatched to an IS machine through a feeder channel. At this stage, a bulb of glass called parison or preform will be cut to the gram at a temperature of between 1100 and 1400 Celsius. It is conveyed down a channel called gob feeder to a preforming mold into which it spreads and fills. It will then be transferred by a neck ring to a finishing mold where it will take on its definitive shape. Ici, on contrôle de l'arrivée de la composition, la matière première, jusqu'à la goutte de verre. Ensuite, il y a les machines, et nous, après, on contrôle, après les machines, les arches, la cuisson des flacons. Vous avez vérifié la cuisson ? Non, on va le faire dès que les flacons sortent de l'arche. At this stage, the bottle is subjected to flame treatment to improve shine and surface condition. It then spends 1 to 2 hours in an annealing layer at a temperature of 550 Celsius. This limits any stress of molten glass during the cooling stage, thus any risk of shattering. Le verre, c'est quand même matière vivante, et en plus, bon, on est quand même fiers de faire partie d'une entreprise qui est numéro 1 mondial dans le flaconnage de luxe. Et puis on entend parler partout des flacons qu'on sort. Donc quand on voit un flacon à la télé ou quand on le voit partout en publicité, sur des photos, dans des magazines, forcément on est fiers de sortir un verre de cette qualité. Prestige doesn't allow for any defects. The weight and dimension of bottles must be minutely checked. This is ongoing. Next stage, the inspection workshop. Selective sorting is repeated to ensure zero defects. Sorters follow guidelines handed down by master glassmakers. Il faut être vigilante, concentré. On apprend sur le tas, en fait. Avec l'expérience, on arrive, il n'y a pas de formation spéciale. C'est les anciennes qui apprennent aux nouvelles et voilà. Il y a une technique en fait pour chaque flacon. Bien partir dès le départ en fait sur de bonnes manipulations des flacons. En fait. Savoir où regarder, comment les regarder, comment les prendre pour avoir la cadence, parce qu'il y a une cadence. Once the sorting and inspection stage done, the bottles are ready for decorating using various finishing techniques and additional accessories. For our special bottle, polishing awaits. All traces of mold joint must be removed so that the base of the bottle be as smooth as possible. Notre activité principale, c'est le polissage sur verre, en manuel et maintenant en automatique, même de la taille automatique pour des pièces plates ou des capots, des bouchons, tout ça. Le polissage, c'est une opération de parachèvement. En fait, un flacon ou un bouchon qui a été fait par un verrier, on fait une opération de polissage, c'est-à-dire avec de la ponce, on polie les flacons pour arriver à défaut zéro. Donc c'est une roue compressée en liège, un support en liège, et on met un abrasif avec du sable qu'on apporte à la roue pour aller polir un raccord ou un défaut vert. Nous, c'est beaucoup l'habitude. Donc, ça fait quand même 12 ans que je fais ça, donc... Autrement, un bon polisseur, c'est 3 ans de boulot. C'est du plat, du rond, du ovale, c'est 3 ans de boulot.
Over the past few years, glass tinted from block has been replaced by bottle colouring and by means of lacquering. A gradient lacquer has been chosen for our special bottle. Notre métier, c'est de réceptionner donc un flacon qui peut être brut ou dépoli, de le laquer selon des exigences clients sur la qualité du verre brut, mettre un vernis, ça le rend plus brillant. Après, ça peut permettre aussi de faire d'autres choses derrière en décor, de protéger aussi certains flacons, donc d'avoir une meilleure qualité tenue. C'est un petit peu l'œil du client, c'est-à-dire que lors d'un démarrage, il y a une présence client et c'est là où mon rôle est de prendre un maximum d'informations sur ses exigences et sur jusqu'où on peut aller dans le niveau de qualité par rapport à notre process. Certains procédés tels qu'un dégradé ou des laquages partiels sont plus compliqués, donc c'est des choses à faire comprendre au client avant un démarrage pour que lui, il mette son curseur là où il le veut et qu'on n'ait pas de surprise en milieu de production sur une dérive de qualité. Le laquage, il est très innovant. Tous les ans, on essaie en tout cas d'apporter des nouveaux process, donc de nouvelles propositions pour nos clients. Our bottle has been lacquered. Now, La Glace Vallée logo has to be printed on it. Screen printing was chosen as the process. This involves applying ink, using silk screens or a stencil. La première étape déjà, c'est de insoler au niveau des écrans, avoir le typon, La Glace Vallée, déboucher à l'eau chaude avec une soufflette spécifique. Et après, le régleur vient chercher l'écran qui est séché pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Le flacon, La Glace Vallée, il y a plusieurs diamètres. Et ça, c'est le régleur qui doit exactement trouver le bon diamètre pour dire essayer de sortir la sérigraphie. Il y a beaucoup de différents flacons aujourd'hui et le rôle du régleur, c'est à lui de chercher les bonnes bases du flacon. Et on ne fait jamais la même chose. C'est à nous de chercher. Le rôle du régleur, il en apprend tous les jours. Our bottle is now ready for an essential accessory, the pump. Welcome to a world where one machine can assemble up to 30,000 pumps per hour. Plastic components, seals, springs and dip tubes are channeled to an assembly robot equipped for automatic end-of-line control. This pump, a recent innovation, dispenses a cloud of very fine droplets. Another enterprise. This one manufactures a transparent sirloin cap, chosen to allow the golden hue of the pump to transpire. On est formé. On sait la mise en route de la machine, du robot. On a le régleur qui est là. Nous, on peut intervenir dessus pour dépanner. Là, elle est en semi-automatique. Pour une personne postée, on regarde chaque pièce au niveau des défauts. Il faut être patient, il faut être manuel, il faut très bien regarder. Le moindre petit défaut, ça peut être sur une production et c'est fichu. After several concepts and with the consent of the head designer, a packaging espousing the logo was decided upon. The idea was to suspend the bottle in a black paperboard pack with a mold-shaped center. A thermoforming process was chosen to achieve this. Nous avons réfléchi à un calage en deux parties, en matière transparente, de manière à effectivement ne pas voir ce calage. Nous avons travaillé sur un moule en aluminium avec une finition polymiroir, de manière à s'affranchir de toutes les marques possibles qu'on peut retrouver sur un moule classique. Nous avons mis 2 mois pour faire le développement entre les premiers plans, les validations, les échanges avec La Glace Vallée. Et ensuite, une fois que tout est validé, nous produisons 12 000 pièces en 8 heures, en une journée de travail. To create the perfume, La Glace Vallée naturally turned to the past cluster of perfumers, perfumes, aromas, scents and flavors. This benchmark cluster for the production of natural extracts is located in Grasse in the south of France. 3 elements were decided upon by project partners, fire, forest and sea, to create a unisex perfume. Several eau de toilette created by PASS were then submitted to a jury. The marine forest fragrance concocted by Man Limited was chosen.
This fragrance blends citrus freshness with a woody background, highlighted with patchouli and warm notes such as cardamom. After 3 weeks of maturing, the concentrate reached an acceptable balance. It was mixed with alcohol for an additional 3 week maturing period prior to being bottled. Back to La Glace Valley and to a packaging company with the elements necessary to complete the production of our bottle. This is a semi-automatic assembly line adapting to the number of bottles to be manufactured. Naturally, fully automated assembly lines capable of producing hundreds of thousands of bottles exist as well. Les personnes arrivent ici en général, elles n'ont jamais travaillé dans le parfum. C'est nous qui les formons sur le poste du travail. On leur explique avant d'arriver ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles doivent faire, et après, ben, elles n'ont plus qu'à suivre la chaîne. The first job is to fill the bottle to the level indicated on the bottle. The pump is inserted and firmly secured. The legal mention is affixed to the bottom of the bottle. The cap is then clipped on. The bottle is next fitted in the thermoform packaging mold that sports two foolproofing markers to ensure that La Glace Valley label is always face up. It's then placed in its paperboard box, which is sealed. A serial number is affixed for traceability purposes. Finally, bottles are stacked in RSC boxes for transport, 12 per box, on which ID tags are affixed. Je suis responsable qualité et mon rôle ben, c'est d'assurer la qualité du produit qu'on fournit à nos clients, aux consommateurs. Je prélève des pièces sur chaîne toutes les heures. Ensuite, je regarde visuellement, j'effectue un contrôle d'étanchéité et si tout est OK, la production continue sans aucun problème. Concern for quality is present all along the production line. Our bottle and its packaging reflect why La Glace Valley is known for innovation and appreciated worldwide. Naturally, 70% of global production of luxury bottles is to be found in this valley between Normandy and Picardy. The result, an industry that's understood how to combine innovative technology with craftsmanship, how to preserve complementary skills passed down from generation to generation. Thanks to its fame, leadership and sound investments, La Glace Valley cluster can enjoy a bright future, boosted by the Made in France quality label. With a passionate workforce, it can offer a host of trades and real opportunities for anyone who wants to work in an environment where mastery of skills becomes an art form.